donc l'état compte mais à partir de 2024 que nous sénégalais nous fait le peuple il est souverain sur la constitution sur la loi sur la fonction pour mom amul ben vérité donc président lool moy li ñu wax gentleman agreement da ngay dem xamal foyeb so xamul kuy na reñu même Amadou Ba c'est le bras droit de Macky Sall c'est son défunt mais ça ne veut pas du tout dire que Amadou Ba suñ ko falé day top le Macky Sall moi ça il faut pas se leurrer Amadou Ba a une ambition légui mën na laaj ben question doyen il est candidat on parle de fonds reçus par l'opposition tel est-ce que mom en tant que candidat du régime en place mënul dem outalé ay fonds du côté de l'étranger te bu boba tamit kenn du dem nak non mais fonds de campagne non ça c'est bon vous ni jélé en tout cas France neubutul en France so xamé France ni muy démé neubutuñ ça tu es en campagne il y a des cabinets privés nga nek français sénégalais africain américain ñom lool moy sen ligué Amadou Ba, si vous avez c'est sur le serveur. D'arrêterez-vous quoi, am des contacts avec des cabinets. D'arrêterez-vous quoi, vous devez saisir des fonds. Mais la France est encadrée. C'est-à-dire, nous devons am khalis bu joge ci nguru France pour faire sa campagne. Ça, moi, je ne sais pas, Macron, je ne sais pas. Mais en tant qu'acteur politique, nous am des contrats avec un cabinet privé. Voilà une source de financement privé, ben, là, il est libre. C'est comme tous les autres candidats. Il est libre, financement étranger. Non, mais attends, il ne faut pas s'illusionner. Hein? L'élection présidentielle, c'est une élection privée. Elle n'est pas publique. Donc, pour Wouti Khalis, mais Amadou Ba, c'est un ancien ministre de l'économie. Je donne l'exemple, hein? C'est un ancien ministre de l'économie. Mais Amadou Ba, Hamnabou Ba, comment l'argent circule en France? Bon, il est dans l'international libéral, par exemple. Macky Sall, c'est le chef des libéraux en Afrique. Mais les libéraux, là, tu quoi, pensent que nous devons pour soutenir un candidat. Les socialistes, ils vont faire la même chose. Les républicains, ils vont faire la même chose. Donc, il faut démythifier l'argent des campagnes. Cet candidat, vous montez nek, soboge djel ngour, mouy Sénégal, mouy Afrique, wala fenen. Il faut que am de l'argent pour mener ta campagne. Mais est-ce que Diadoul, ci ku melni Amadou Ba, lu ko intéressé wala lu ko arrangé bu ñibissé mu léral lu mu doon dox ba paré jéma dakk lepp luy tuuma parce que fuñ toll ni ci jeunesse bi bo déggé nga naan suñu njiit ñi ngay dem France ñi ngay wax ak ñako jité day gëna yokku suspicion parce que liñu taxa yegg fiñu yegg ni liñu taxa tardé France bokku na ci. Parce que tant que France mu ngi gis bopam ci ses ex-colonies yoy non duñu mësa jariñ sen réew ci sen am lay wax quoi donc légui muy dem di togg ay Robert Bourgi gis nañ ko autour d'une table xawma déjeuner xawma petit déjeuner di photo on sait que Robert Bourgi ci limuy dox moy walum France Afrique yu mel nonu est-ce que ci moment bi mom duko indil ay gak mom le candidat. Non, disons que pour moi, d'où Amadou Ba rek, hein, ça vraiment, il faut qu'on soit très clair. Moi, Amadou Ba, moi, Idrissek, moi, Sonko, moi, Kenen. Quand je demande France, tu as dit, tu n'es que candidat dans les Wouti Khalis. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Quand tu n'es que candidat, tu es en France ou aux États-Unis, tu es de politique des Wouti Khalis. Maintenant, tout le problème, moi, la transparence. C'est la transparence qui est le problème. Mais si je dis, par exemple, France, la France-Afrique, elle existe. Hein? Il y a une cellule à l'Elysée qui travaille que sur ça. Mais il ne travaille pas sur Amadou Ba. Il ne faut pas que les gens se trompent. Hein? Il travaille sur 50 ans. La France, dans 50 ans, Macron, depuis qu'il est là. Nyata conférence l'organiser en Afrique. Nyata conférence l'organiser en France. La France se positionne sur 50 ans. Donc, amul ben élection présidentielle bu meuna am ci Afrique fait que France amul ci intérêt.
je pense que côté bobu vraiment suñu xel warna dal maintenant ñu yewu pour man li nga wax Amadou Ba c'est un premier ministre, il va signer des conventions, il va signer des projets. Il sait Amadou Ba que à partir du départ de Macky Sall, c'est le prochain président de la République qui va décider. Donc côté bobu je pense pas que Amadou Ba def ay erreur quand même c'est un homme d'état. Maintenant, sur le plan politique, il peut faire des erreurs. Mais ça, ça n'engage que lui. S'il fait des erreurs dans son, dans sa communication, dans ses relations, ben ça, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de ses adversaires. Au contraire, ils vont utiliser ses erreurs. Je suis vraiment débouté. Je suis alerté à ce que je veux. Mais je veux dire que France-Afrique, c'est un doyen. Si France doit venir de régresser du côté Afrique de l'Ouest, non, question bi nga wax France c'est une question politique peut-être dinañ ñëwaat ci débat mais France doful tu crois que les Français là dañ dof mais Français ñom ñoo gëla xam que elle est affaiblie, elle est en déclin, que le nationalisme, le patriotisme dans l'espace sahélien montre qu'à l'échelle de l'Afrique il y a une volonté de souveraineté politique et économique. Mais la France est en train de négocier cette transition-là. Il ne faut pas tromper les gens. Les Français, ils le savent. Pour eux, la France est en train de changer de paradigme. Mais c'est évident. Ah, en tout cas, moi, depuis que j'ai le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Assemblée de France, Mouni, le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Soit on fait à côté, soit on fait à leur place. Mais lol bi mako déggé dama sursauté. Le Sénégal nara nek pays buy produire hydrocarbures, donc rek automatiquement amna risque de menace terroriste, de menace djihadiste. Mais lol ñu tek ko fan. Soit non, ça c'est pas la, ça c'est pas la bonne lecture Birama. Ah, dites mon c'est pas, non, c'est pas mon, non, mon, non, 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 non. Ça dit que gis nga France, la France est organisée. Elle est organisée. Il y a une tête, c'est Macron. Hein? Toutes les politiques publiques passent par Macron et les affaires étrangères. Ni mal le couvrir. Démarche Macron, elle est cohérente. C'est-à-dire d'agir avec les chefs d'État, d'agir avec la jeunesse africaine. D'agir, ils ont une perspective. Comment rester en Afrique en ne perdant pas la face? C'est ça l'option des Français. Mais maintenant, le terrorisme, mais il n'y a pas de réponse française. Les Français, ils savent que... Tu prends le cas du Mali, ils ont déguerpi, non? Le Niger, ils ont déguerpi. Burkina, ils ont déguerpi. Même l'armée française est en train de se reconstruire, de se repositionner. Donc, nous avons un certain problème, nous avons une certaine stratégie. Man pour man, il ne faut pas trop... il ne faut pas vivre dans la peur. Ah, mais c'est eux qui veulent nous vendre la peur. Lorsqu'on parle de menaces djihadistes, menaces terroristes, mais pourquoi nous voulons nous gommer par la force? Pourquoi nous voulons nous imposer? Finalement, mais écoutez... Ah non, c'est pas c'est qui le terroriste ou le djihadiste, là, je comprends. Non, le Sénégal peut basculer dans le terrorisme. Oui, mais pourquoi nous voulons nous force? Nous ne pouvons pas nous faire quoi, des livres, des experts en djihadisme, des experts en terrorisme, donc c'est une affaire, des titres comme ça. Pourquoi le Sénégal ne peut pas nous faire? Non, ça c'est ta perception. Oui, moi, c'est pas ma perception. Je parle voilà. Pour moi. Moi, ce n'est pas ma perception. Voilà. Ça dit que les Français, les Américains, les Chinois, les Russes, chaque pays fait ses analyses. C'est leur perception. C'est normal, comme je t'ai dit, Sénégal. Mais c'est France. C'est le principal partenaire du Sénégal. L'Union Tchou, Russie, Chine, Américains, Français, c'est Alalfi. Il y a plus de 200 entreprises françaises au Sénégal. Donc, c'est intérêt. Mais ce n'est pas la même chose que le discours du Russe ou du Chinois. Je ne sais pas si tu... Attends, Biram, simplifie. J'ai 200 entreprises au Sénégal. Il y a combien de banques françaises? Mais quoi?
koku nimu lay waxe s'il y a une menace mais il sera la principale victime de la menace koku nimu waxe ak chinois ki nga xamné ambassade cote la fi am ak ses employés ben il n'aura pas la même analyse. D'accord. Tout pour moi, vraiment la question de la France, souvent elle est très mal posée. Que bon, pour revenir en tout cas à la question, Amadou Ba, il va signer des conventions et des projets. Bon, ça c'est la continuité de l'État. Mais par contre, Amadou Ba, candidat, la France, tu ne verras pas un Français ou un ministre ou un responsable de En Marche s'immiscer dans la politique d'Amadou Ba. Nous, c'est plus intelligent. Ils vont dire, Amadou Ba, il connaît. Il y a des sociétés médiatiques qui ne travaillent que sur l'image des candidats. Il y a des entreprises françaises, mais Amadou Ba les connaît. Donc, il va chercher des sources de financement, comme tous les autres candidats, hein. Je ne veux pas les nommer, mais que ce soit Karim, que ce soit... Mais attends, Amadou Ba n'est pas plus expérimenté que Idrissa Seck ou Karim. Ou Khalifa. D'accord. Donc, il va chercher les financements. Moi, en tout cas, la préoccupation pour les Sénégalais, c'est qu'on n'utilise pas de l'argent sale pour faire une campagne. Que ce soit Mouy Amadou Ba, Mouy Kenen. C'est l'argent sale, c'est ça qu'il faut éviter. Et je crois que là, bon, la presse a un petit rôle. Bon, les acteurs politiques ont un petit rôle. Il faut qu'il y ait un code éthique. Pour moi, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut voir la question. Bon, maintenant, le paradoxe, avec tous ces voyages du président, du PM et du président de l'Assemblée nationale, c'est que, moi, ça aurait été plutôt mon inquiétude. C'est l'État est à l'étranger, dans la perspective de la continuité, dans la perspective d'une campagne. Mais au même moment, tu as une crise sociale. L'école est en crise dans le commun. L'université est fermée. Les gens vont à la mer, ils périssent. Est-ce que c'est stratégique que l'État voyage dans ce contexte social et économique? Moi, je ne suis pas convaincu. Au moins, dans la gestion du timing électoral, c'est pas la meilleure formule que le président, le PM, le président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, Damoul Sakh Katar, pour le COP28. Oui, il est parti à un sommet. Ça, par contre, pour moi, en termes de communication, en termes de gestion, même l'image de stabilisation du Sénégal, doyuma. Le mot gonolon, que vraiment, président Boudemé, premier ministre Tok, ou le premier ministre Boudemé, président Tok. Il ne faut pas laisser dans ces contextes-là la situation sociale pourrir. Bon, tous les ingrédients hein, d'une élection perturbée m'ont dégagé au nid. Hein. Il reste même pas trois mois. Hein.